Ce soir, on a interprété un ciné-concert, c'est-à-dire que c'est une formule qui renoue avec le cinéma muet tel qu'il était pratiqué à l'époque, où effectivement des musiciens interprétaient en live une musique pour accompagner les films qui étaient projetés. Ça pouvait être quelques musiciens jusqu'à un très grand orchestre symphonique. Le choix du film, un choix, c'est toujours un mélange de contraintes. Il y a les souhaits personnels. On peut avoir envie de choisir ce film parce qu'on l'aime bien. C'est vrai, c'était une des raisons. C'est effectivement un très grand chef-d'œuvre. Un film qui a traversé les décennies sans prendre une ride. D'ailleurs, ce soir, nous l'avons vu, des enfants qui ont 7 ou 8 ans ont ri comme si c'était une nouveauté. Ça, c'est quand même une bonne raison de choisir ce film. Le choix s'est cristallisé unanimement sur un des grands films du burlesque muet. Le choix a été fait de vraiment de renouer avec un usage qui aussi est assez proche normalement de la volonté des réalisateurs, c'est-à-dire d'avoir une musique qui quand même le plus possible colle à l'image et aux intentions scénaristiques. On pratique beaucoup aujourd'hui le ciné-concert sur le mode de l'improvisation, et pourquoi pas d'ailleurs. Ça n'a pas été notre choix, on est parti plutôt sur une pratique, on va dire, que certains qualifieront de classique, mais qui, malgré tout, une idée qu'on défend dans cet ensemble, que le cinéma est un art quand même très artificiel, où tout est faux, finalement. Mais la force du ciné-concert est de permettre à d'autres artistes de s'emparer du mécano de la générale et d'en faire autre chose, et peut-être de susciter, finalement, un résultat tout aussi intéressant. La question de savoir si Buster aimerait ou pas, à la limite, soit on se la pose et on part dans des discussions infinies, soit on ne se la pose pas et on fait confiance à l'authenticité, à la sincérité des artistes.